unayafanua. Salamu alayhi, salamu alayhi, salamu alayhi ya Maria. Partagez la vidéo. HKV David Musco Ousseni What? Non, non, n'est pas bon. Abdulaziz Youssouf Ouattara Kone Daouda L'homme noir n'est pas bon, ça se... Il dit, moi là, hier, chanté où? Alassane Sélé. Bon. Vous voyez, ils ont commencé. Bon, je ne sais pas, hein, peut-être c'est automatique. Dès que je me lance, Issa Kamisogo. Kabore. Idriss Diallo, comment tu vas? Dosso Moussa, mon frère, comment tu vas? Et toi, tu as parlé de réconciliation ici, entre Soro et Chose. Mon frère, ton André, tu n'es pas branché. Hein? Il te dit d'ailleurs, donc, il est branché. Sinon, Alassane me mina ni eke. On ne peut pas se réconcilier avec lui. Comment ça, là, on est dedans? Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour à la grande famille. Amiral Blindé, le Negaduro, le Waradashi. Voilà, ça, c'est mon nouveau nom, ça. Warabadashi. Parce que Warabadashi, né Warabadashi, alors, ils ont monté tous les coups d'état là pour renverser le pouvoir là. Ça n'a pas marché.
Maintenant, on nous dit que la France a validé, je ne sais pas, l'arrestation de Guillaume Soro. Tout le monde a vu que la France a validé l'arrestation de Guillaume Soro. C'est-à-dire, ils n'ont même pas cité les accusations du coup d'État, mais ils ont parlé de crimes de guerre. Bon, est-ce un crime de guerre dedans? Non, il n'y a pas de crime de guerre. En tout cas, Soro et les chefs de guerre, là. Voilà. Alors, vous voyez, à chaque fois qu'on vous dit que Alassane Ouattara a peur de Guillaume Soro, Atelalala, il a tout fait à Chimanya. Akako Becker à Chimanya. Alors, on va écouter ici. Béa Benguessa, comment tu vas? On va écouter ici. Vous allez me dire. Bah, vous voyez, on dit, même si tu vas pas à l'école là, même si on t'envoie pas à l'école, toi-même là, il faut essayer un peu d'être intelligent. Quand on te parle là, il faut essayer de comprendre. Il faut pas écouter, hein. C'est-à-dire, c'est quand on te dit là, il faut essayer de comprendre. Ah, ça là, quand nous le bêta. Donc, vous qui avez cailloux dans vos oreilles là, on va enlever cailloux dans votre oreille. Donc venez écouter ici. Vous allez me dire, vous allez écouter le porte-parole du ministère de la Défense. Voilà. On va l'écouter ici. Et puis, ensemble, vous allez m'aider à m'expliquer, à me faire comprendre. C'est à quel moment Ibé a été tué? Et c'est à quel moment Guillaume Soro a rendu démission chez Alassane Ouattara, et puis Ouattara a mis combien de temps pour le reconduire dans son poste, et puis ajouter ministère de la Défense dessus. Vous allez me dire ça. C'est pourquoi je vous dis, toi, à tous les Ivoiriens, Alassane Ouattara, il ne peut pas, il fait ça là pour vous donner espoir. Et ça va maintenant, mais voilà. C'est-à-dire, il fait ça pour vous donner espoir, vous, les moutons, pour vous donner espoir. Donc, il fait ça aussi pour que nous, Namke salut, pour que nous, dans notre camp là, ceux qui sont pas forts d'esprit là, ils vont dire, ah non, cette fois-ci là, c'est mort. Faut y m'en mourir. Amen. I don't not mort. Faut y, là, ici m'en mourir. Nous là, nous, on n'a pas peur, hein. Parce que, si vous voyez, on ne voit pas en Côte d'Ivoire là, c'est parce qu'il n'y a pas de justice là-bas. Sinon, on n'a pas peur d'aller se présenter devant les juridictions ici ou dans les pays où il y a la justice là. Nous, on n'a pas peur d'aller se présenter là-bas. Voilà. Donc, on va écouter une première vidéo. Et vous allez écouter. Vous voyez, Alassane Ouattara, Wale Bilay, ça ne me plaît pas de parler de toi comme ça. Parce que tu es en train de tout gâter. Ibe Kobe Tiana, Iti Nimbo Peti Ninga. Tu vois pas ce qui est à côté de toi là-bas? Mais au lieu de venir voir la France là pour dire non qu'à arrêter Guillaume Soro là. Mais vous là, vous avez convoqué Damana Picasso il n'y a pas longtemps. Qui voulait faire coup d'état. Il a tué des soldats. Mais Damana Picasso est parti à la maison. Et l'autre aussi, comment on appelle ça? Tiens, d'autres à bon non. Le Sénifo là, Soula là. Bandi Minan. Non, c'est pas Tiakone. Le Sénoufo là, le gars de Gbagbo là, ça. Le gars, quand il parle, ça fait mal là. À trop bon en quelque chose qu'on est là. Tous ceux là sont dans Abidjan là. Et puis vous allez me dire aujourd'hui, Stéphane Kipré là, c'est quel genre de pardon il a demandé et puis il est rentré au pays parce qu'il y a des gens qui ont dit, ouais, qu'ils ont pris de l'argent, que Stéphane Kipré a donné de l'argent pour pouvoir renverser le coup d'état, pour pouvoir renverser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Ceux-là sont en Côte d'Ivoire.
Vous savez, on veut créer dans les lano, avec un peu tout mako ça signe. Alou mako et nasa, en offrant une aide nasa à quoi. Avec chrono du bois crème, nani nyango ya crème, jalousie ya crème na awalan. Alors ça n'a la lune, alors ça votre n'est pas Dieu. Même Dieu même là, il dit on a qu'on faut pas on va faire des choses en bas que après on met ça va des fois nié. Allah est Dieu les bala. Mais souvent même on ne demande pas pardon, mais il nous regarde comme ça, « Abéhine est là. » Bon, alou ka ouya le nera soro là. Ka finya pré-pré là là. Bon, l'accusation que vous avez pris pour déposer sur soro là, il y a au moins 4 personnes, ou bien 3 personnes qui ont déjà fait ça. Eux, ils sont en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas qu'à de les jeter en prison. Il n'y a pas cassement de papo ici. Nous là, nous on casse papo. Soro va pas casser papo. Il a déjà parlé. Il dit s'il a été à l'origine de tentatives de renversement d'un pouvoir dans sa vie, que c'était pour le compte d'Alassane Ouattara. Donc il n'y a pas papo ici encore à casser. C'est nous maintenant, on va prendre ça et puis on va développer pour vous. Amen. Qui va fournir GPS, Sendou, comment tu vas? Donc, vous pensez qu'il y a Abakela Sorolé là? Attaquez-la Sorolé là. Abakela Yirele là, Alou Gouakela Goulé là, Aka Tialonjo, on va aller écouter la vidéo. Ça me fait mal d'autre tu vois quand maintenant Alassane Agroubounouna. Moi je comprends français. Bon, ça là, ça c'est vidéo de YB d'abord, on va écouter. Vidéo de YB. Considérablement dégradé, éloignant ainsi les principes élémentaires de la démocratie. En effet, le second tour des élections qui a eu lieu le 28 novembre 2010, au lieu d'apporter paix, sérénité et réconciliation au peuple de Côte d'Ivoire, a plutôt créé les conditions d'une hécatombe plus grande. Les Ivoiriens meurent en Côte d'Ivoire considérablement dégradés, éloignant ainsi les principes élémentaires de la démocratie. En effet, le second tour des élections qui a eu lieu le 28 novembre 2010, au lieu d'apporter paix, sérénité et réconciliation au peuple de Côte d'Ivoire, a plutôt créé les conditions d'une hécatombe plus grande. Les Ivoiriens meurent en Côte d'Ivoire. Ok. Considérablement. Ah, j'ai pas toute la vidéo. Ici, IB avait dissous le gouvernement, parce que après deuxième tour là, comme il n'y avait pas d'entente là, on savait pas qui avait gagné, qui Gbagbo disait il a gagné, Ouattara dit il a gagné là. Voilà, IB a fait une sortie. Voilà, je sais pas si c'est montage, mais on a vu vidéo là. Parce que chez RHDP là, tout est possible. Maintenant, on va écouter ici. Et puis, je vais chercher d'autres vidéos encore. IB était prêt à aller voir Alassane Ouattara. Il a même dit ce jour-là que le jour où on va aller chez Alassane, chez le président, c'est ça là que je vais porter. Vous avez fermé la porte à IB. Vous là, pour pouvoir le tuer là, vous avez fermé la porte à IB. Donc on va écouter ici. Quand vous parlez d'assassinat aujourd'hui là, parce que il y a assassinat, c'est-à-dire quand on assassine là, c'est-à-dire on va prendre quelqu'un et puis on va le tuer. C'est ça qu'on appelle assassiner. Maintenant, quelqu'un qui se bat, qui tombe avec les armes à la main, là, on ne parle pas d'assassinat. Il était en train de se défendre. On va écouter qu'au capitaine Allah ou bien quoi là, un baoulé qui s'est fait appeler Allah. Alou baoulé, on lui a un adjecto. Alou va voir lui le qu'il a quoi là, tellement tu seras tellement vain à d'adalo, tellement bé 20 000. 20 là à Kounia Minatan, qu'au capitaine Allah. Alors, on va écouter. IB a perdu hier son chef. Ibrahim Koulibaly dit IB a été tué les armes à la main par les forces républicaines à PK18 dans la commune d'Abobo. Chef Ibrahim Koulibaly dit IB a été tué les armes à la main par les forces républicaines. IB. Par les forces républicaines. IB a été tué avec les armes à la main par les forces républicaines. Allô, le mot voir. François Koné, salut. Ça me gêne quand on me salue et puis il répond pas là. Kovena, salut. Aïe, formidable. Ah, mais non. Aïe, formidable. Bah, mi bien, au cas, bonifourier.
Ils m'ont bloqué, je suis à 39 personnes. Eh, Brené, tu n'es pas tombé, mais ils t'ont attaché. Ok. En Facebook, c'est. Donc, vous écoutez bien. J'ai fait exprès, je vais traiter les quatre trous. Allô? Hein? Non, moi, il faut quoi? Non, Denis. Allez. Alors. IB a été tué les armes à la main par les forces républicaines. IB a été tué les armes à la main par les forces républicaines. IB a été tué les armes à la main par les forces républicaines. Voilà. Un appel spécifique a été lancé à M. Ibrahim Koulibaly afin qu'il dépose les armes et se mette à la disposition des autorités. Après trois rendez-vous manqués de son fait, les forces républicaines ont lancé ce jour 27 avril 2011. Il en tenu, hein. C'est qui est en train de m'appeler là? Quand vous appelez et puis je ne réponds pas là, attendez d'abord. Qu'est-ce qu'il y a même? Libérer les populations prises en otage. Ça veut dire que IB avait pris des gens en otage. Je suis en direct, non, je veux pas qu'on voit ton nom ici, c'est pourquoi je coupais là. Et là, je suis encore en direct même là. On dit quoi? Non, c'est pas grave. D'accord. Ok, y a pas de problème. Je te rappelle tout de suite là. Accorde-moi au moins 15 minutes, s'il te plaît. Donc, quand on dit que quelqu'un est tombé avec les armes à la main, ça veut dire qu'il a tout un marfata. Et puis, déclaration de IB là, je sais pas si c'est vrai ou bien si c'est montage. Hein. Dans la vidéo là, IB avait dessous toutes les institutions de Côte d'Ivoire. Koubeboy, Kou c'est lui, il est là. Voilà. Donc on va avancer. Lui là, Capitaine Allah là, c'est lui qui représentait, c'est lui qui était le porte-parole du ministère de la Défense. Alors. Ce jour, 27 avril 2011, une opération de sécurisation et de pacification dans la zone PK18 à Niamey pour libérer les populations prises en otage. En otage, ok. Cette opération s'est déroulée avec succès. Tous les barrages et postes de combat ont été levés. Monsieur Ibrahim Koulibaly a pris la fuite et s'est retranché dans une cour aux environs de l'usine Unicafé avec des hommes en armes. En réponse à deux sommations, les forces républicaines ont essuyé des tirs nourris de M. Ibrahim Koulibaly et ses hommes. Ces tirs n'ont laissé d'autre choix aux forces républicaines que la riposte qui a été fatale à M. Ibrahim Koulibaly. Ok. Alassane Ouattara avait nommé Guillaume Soro ministre de la Défense. Lui, il était le porte-parole du ministère de la Défense. Araeke. Donc, d'obé, il y a caillou dans les oreilles là. Il y en a caillou dans le trou, il y a caillou. Parce qu'il y en a qui en fout, il y en a. Il y a un dab là. C'est-à-dire, il y a un coup d'état, le dossier monté, ça ne prend pas. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas par quoi. Vous allez passer et puis les gens, ah non, c'est vrai. Mais n'oubliez pas. Attends, un tas, allons. Bilan des combats. Côté force républicaine. Deux soldats tués, plusieurs blessés. Ok. Donc, côté force républicaine là, c'est-à-dire, côté Alassane Ouattara, parce que IB était considéré comme rebelle. Donc, IB a tué deux personnes dans leur groupe et puis il a fait beaucoup de blessés. On avance. Côté adverse,
7 morts, dont M. Ibrahim Koulibaly. Je vous instruis de demander au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Voilà. Si cela n'est pas le cas. Message bien reçu par voilà. Elle entend appliquer les dépenses. Message bien reçu. Il dit, je le dis en face de vous, le chef suprême des armées, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, c'est-à-dire c'est lui qui coiffe tout. Alors, on avance. Décision du chef de l'État. Les instructions du président de la République sur ce point-là sont claires. Dans un premier temps, nous allons négocier. Mais s'ils ne veulent pas tempérer, en ce moment, nous allons agir par la force. Voilà. Alors, pourquoi laisser tous ceux-là venir dire c'est Guillaume Soron? Ou bien soit Ouattara n'était pas encore au pouvoir. Parce que la date où Ibé a été tué là, Ouattara était déjà président de la Côte d'Ivoire. Il avait nommé, il avait reconduit Guillaume Soron et ajouté encore un Bassou, ministère de la Défense. Mais je ne vois pas pourquoi vous sortez aujourd'hui. Mais dites en même temps, les gens que les deux personnes que Ibé a tuées là, dites que c'est Soro qui a tué ça aussi. Ou bien c'est pas bon. À la fois que les deux personnes que Allah a dit que, ouais, que Ibé a tué deux personnes là, à la fois que c'est Soro qui a tué ceux-là, même les 3000 morts là, à la fois que c'est Soro. Vous voyez, le vrai problème où on attend la justice là, Ouattara ne se prononce pas. Les 3000 morts là, il faut expliquer aux Ivoiriens. Les 3000 morts là, mort c'est mort, hein. Mais je crois que 3000 est plus qu'une seule personne. Et puis vous-même, vous avez dit ici. Mais Ouattara n'a jamais dit non, capitaine Allah, ce que tu as fait là, c'est l'erreur. Tu as fait une erreur. Donc là, tu ne devrais pas dire que Ibé là, on l'a attaqué, que les forces l'ont attaqué. Il faut dire que c'est les rebelles qui l'ont tué, puisque tu n'étais pas encore président. Il était président, il était tellement qu'il va président, là. On va aller encore. Hier, on a voyagé dans aller. On va partir loin. Parce qu'il y a loin et puis il y a loin. Parce que loin, là, là-bas, là, c'est compliqué. D'accord. On va aller chercher une autre vidéo. Parce qu'à Kaka Akolu, là, à Adab, là. On va écouter ici Ousmane Chérif. Et dans la même vidéo, là, il y a Ibé dedans. Aux habitants de son bastion dans le nord d'Abidjan. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-le, Ibé, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. D'accord. La dernière fois que nous n'arrivons à vous copier, on ne dit pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. La semaine dernière, Ibé déclarait pourtant qu'il allait obéir aux ordres du président Ouattara. La semaine dernière, Ibé déclarait pourtant qu'il allait obéir. Il allait accepter ce que Alassane Ouattara a dit. Mais pourquoi le tuer? Pourquoi dire aux gens, s'il ne veut pas déposer les armes là, désarmez-le par la force? Qui a dit ça? C'est Soro qui a dit ça? Hein? Tellement pouvoir il est galade. Il est en train de préparer encore son quatrième mandat. Ah, les yeux. Non, tiens, dis. Hey, Diabla dit, moi, Diabla dit, Alasco, non, levé, non, toi là, t'as fini avec ça, quoi, non, tiens, Yeri, non, je sais pas, il a pleuré. Alors, dans Ouattara, mais il n'y a pas de problème, c'est le chef suprême des armées, non, il a dit de déposer les armes, on va déposer les armes. Voilà. Il demande à ce que toutes les forces rentrent dans les casernes, il n'y a pas de problème. Mais selon le camp Ouattara, Ibé a tardé à respecter ses consignes et c'est ce qui a provoqué l'offensive des forces. Ok, il a tardé là-haut. Est-ce qu'on doit tuer quelqu'un pour ça? Il a tardé là-haut. Est-ce que ça là, on doit tuer quelqu'un pour ça parce qu'il a tardé? Est-ce que Ouattara a donné occasion à Ibé de le croiser? Il y a tout ça là. Il y a toutes ces questions là.
Allah's Go Down, le japonais Black, l'homme qui a redressé l'économie du Japon. Mais pourquoi se précipiter à aller tuer quelqu'un? Akela Benyanade, il dit, nous tous on est historiens. Mais je suis sûr, après la guerre d'Ukraine, là, si jamais l'Ukraine, on dit l'Ukraine doit gagner, là, il n'aura pas d'historiens. Parce qu'en bébé fera, ou bien en bébé fera, Aina bébé fera, il n'aura pas quatre mandats. Bête tout le monde, qui a mon direct. Tout le monde va se retrouver là-bas. Quand tu parles comme ça, ça fait mal et puis tu dis la vérité. Hein, la vérité. Hein? Alassane, moi-même là, parce qu'il faut pas laisser un chauffeur boire l'alcool et puis tu vas monter avec lui. Si tu peux dire, chauffeur, lui là, il nous roule pas aujourd'hui là, parce qu'il est saoulé là, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour toi, toi-même qui es dans le cas là, c'est bon pour toi. C'est bon pour le chauffeur aussi. Parce que là où on s'en va là, Ouattara, ça veut dire, c'est pas Guillaume Soro qui est toi, c'est vrai. Il est l'opposant principal aujourd'hui. Ça veut dire, l'opposant qui a du crédit. Voilà, l'opposant aujourd'hui qui te fait peur, c'est Guillaume Soro. Si on avait un coup d'état, combien on peut là, il y a un coup d'état, man, dans l'eau, sur l'eau, il est. Je m'en bats, le goût bonnet, ouais, les pis, c'est un gars, c'est un gars, dans l'eau, gars. Et tu Donc, moi, je parle comme ça, je te demande pardon. Il bosse, le quoi. Ni mi pas, quoi, tout le nord va pète. Ceux-là, tu vois, de la manière dont on est en train de, ouais, ouais, là, ils sont en train de se préparer. Quand je vois, ah, Bleboudé, il est maudit. Ah, Simone Gbagbo est parti. Ah, Fingessin est parti. Ah, Maseban, les nages, là, au bébé Franoka, quand tout tire. Ouais, qui est constant. Merci beaucoup. Mais nous, on ne sait pas parler français. C'est qui est sûr, on n'est pas bête. Tout ce que vous voyez là, c'est cinéma à fille là-bas. Koulibaly Mamadou là-bas. Bleu Goudé là-bas, tout cela, 2025, là, si jamais il y a élection, même si Ouattara bloque tout cela, Bédié et Gbagbo là, ils vont sortir quelqu'un, et puis ceux-là, ils vont le soutenir, et puis ils vont gagner. Nous, on va faire quoi? Vous pensez que quand ils vont prendre le pouvoir là, il va avoir des gbagnés, des chicotes, vous pensez qu'il va avoir des gbagnés pour nous chicoter, GPS, RDR, ou bien RHDP, gbagné que l'on peut le bêta, ka gbagné mkotin karnaï. Alassane Yere Mandi Mouye, même lui-même ses propres supporters là, il y en a plein. Si Ouattara a un problème aujourd'hui, on peut voir qu'à Tongue. C'est pourquoi Nikoye, ah non, c'est Alassane Ouattara. Personne ne veut prendre la responsabilité comme de la manière Guillaume Soro a fait pour lui. Ah, j'ai allé chercher notre papa. Ah, on va aller chercher notre papa. Si le papa dit il va se présenter, nous, notre papa là, il va se présenter. Nous, notre papa dit on n'a qu'à respecter les gens. Ton papa a dit ça là, et puis en 99 là, il a dit il va frapper pour voir d'un papa. Et puis on a applaudi, il a frappé, on a applaudi jusqu'à on l'a appelé Bravo Kier. Bédié là, il est plus âgé qu'Alassane Ouattara. Combien on est? Ça, c'est en anglais ça. J'ai un mot là, comment on est? Bon, il a arrêté vidéo là, Jésus quoi. Je m'a dit, mais il n'y a pas de commentaire. J'ai arrêté la vidéo. Moi, je sais que dans la vidéo cardio, s'il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de problème. Problème t'as là. Bon, je vais arrêter la vidéo parce qu'il n'y a pas de commentaire. Tara, il est à tard. Pourtant qu'il allait obéir aux ordres du président. La semaine dernière, Ibé déclarait pourtant qu'il allait obéir aux ordres du président Ouattara. Mais il n'y a pas de problème, c'est le chef suprême des armées, non? Il a dit de déposer les armes, on va déposer les armes. Il demande à ce que toutes les forces rentrent dans les casernes, mais il n'y a pas de problème. Mais selon le camp Ouattara, Ibé a tardé à respecter ses consignes, et c'est ce qui a provoqué l'offensive des forces républicaines mercredi dans son fief. Au début de l'année, les hommes d'Ibé avaient pris le contrôle d'une partie du nord d'Abidjan et avaient contribué à faire tomber le régime de Laurent Gbagbo. Mmh. En 2002, Ibé avait dirigé avec Guillaume Soro la tentative de coup d'État avant de devenir le grand rival de celui qui est aujourd'hui le premier ministre de la Côte d'Ivoire. D'accord, on va chercher une autre vidéo encore. On va écouter ici le président Soro.
Tous ceux qui sont en train de sauter là, mettez votre cœur là, votre embrouille là, mettez ça dans sa kipiabeski. Moi, je ne suis pas en train de suivre un mouton. Je suis quelqu'un qui a la tête. You tête me. Hara tête me long. C'est-à-dire qui a la tête. On va écouter ici. Allons, on va écouter le président Zoro. Que nous recevons aujourd'hui laisse peu de gens indifférents. Qu'on l'apprécie ou qu'on le déteste, Guillaume Soro, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, est désormais président de l'Assemblée nationale. Écoutez très bien. Il a à la fois un parcours de seigneur de guerre et comme un parcours également d'homme politique. Et on lui prête d'autres ambitions encore, à moins que la justice internationale ne le rattrape, la Cour pénale internationale a des soupçons à son encontre. Monsieur Soro, bonjour et merci d'être avec nous. On va commencer par cette question qui est quand même cruciale. C'est que il y a à votre encontre des soupçons qu'on peut qualifier de commanditaires de crimes de guerre. Est-ce que aujourd'hui vous êtes en parfaite sérénité? Écoutez, la Cour pénale n'a encore lancé aucune action contre vous, mais est-ce que vous êtes en parfaite sérénité avec ce dossier? Alors, d'abord, je suis surpris qu'on dise qu'il y ait des soupçons. Je veux simplement vous donner deux éléments. Voilà. La première, c'est que la Cour pénale internationale ne s'hasarderait pas à inviter une personnalité à sa tribune à New York, officiellement, s'il y avait même le moindre début de soupçon sur cette personnalité. La deuxième chose, j'ai été Premier ministre, j'ai organisé des élections dans mon pays avec la Commission électorale indépendante, j'ai dirigé, en tant que Premier ministre, ministre de la Défense, les forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont agi de concert avec la communauté internationale, je dis bien la communauté internationale, en légitime défense, quand le 28 novembre 2010, M. Gbagbo a décidé de s'arc-bouter au pouvoir et de livrer la population ivoirienne aux tueries de ses miliciens. Alors, en ce qui concerne justement la réconciliation... Voilà, vous voyez. C'est-à-dire, il a fermé la gueule du journaliste. Il peut pas sortir encore. Cette question qu'il a posée là, il peut plus la poser encore. Il est rentré dans l'affaire de réconciliation. C'est ça. Ni betou mroko, il dit gaye tout raclimon encore. Ni tout là, ça rabena encore. Il veut que ça raye. Il est rebasqué, il faut y revoir encore. Moi, si mouton dit là, ne mouton, ne veut ça rassé. Moi, photo, le gars, ça rana n'y est là, n'est qu'à agbessé. Actuellement, mon ventre est chaud. Actuellement, je sens même ça, j'ai l'impression que mon ventre se trouve actuellement en Ukraine. Ben, ça fait poum, poum. Vous voyez aussi, vous pensez que je suis en Ukraine. Je suis à Paris. Alors, on va aller écouter notre vidéo encore. Ben, il est important. Ok. Avec Dimi Domorom, on a été sur eux. Parce que nous, on est là. Avec Dimi Domorom, on a. En outre, ce n'est pas Guillaume Soro, Akadoro, ATC. Vous êtes petit. Attendez, hier j'ai cherché la vidéo là. Hier j'ai chargé la vidéo. Non, vidéo là, on va pas dire que je ne l'ai pas chargé. Eh, qui chargé? Hal qui chargé? Hein, tu vois? Ah oui, Annie. Antoine Griezmann. Tu dors? Nous continuons avec les... Voilà. Écoutez ce que le président Soro va dire ici. C'est pourquoi il y a voilà, il y en a. Ouattara Djoté, allez nous Soro Akre, Adjotalo. Il est vieux, c'est vrai, mais Adjotala. Aïe finale là, la petite nina. Adjoire l'état là. Asan Ouattara Djoté Kre nina. Abe ouya le nana Soro là. Parce que, après, ne m'avons pas justice à tes écalades, maintenant, là, là, t'es natoué à Vénabo. Et puis, Soro, ben, là, le rhum, là, ouattra, ben, t'as ce qu'il a créé. Ah, oui, n'est-ce pas? Parce que moi, j'ai déjà dit à Soro. Soro, ben, là, le rhum, là, ouattra, tant que ouattra vient pas là, à tes coumans, il va pas parler. Blé, vous êtes parti, non? Bah, oui, Laurent est parti. Donc, lui, là, il va partir, et puis, Soro va partir. Sinon, il va pas parler. Justement, t'es n'a qu'est. Tant que ouattra vient pas là, on ne va pas parler. On a vu des présidents ici en exercice et puis eux là, ils ont été convoqués là-bas, ils sont partis. Avec ce qu'il y a rien, mais avec ce qu'il y a nous, on connaît la politique. Ah oui,
Il paraît que quand il fait ma bouche, quand ça fait mal. Ou bien vous voulez que vous fassiez un clin d'œil. Hein? Il y a un clin d'œil, gars, là. Alors, on va écouter ça, là. Vous allez écouter attentivement ce que le président se redit. Dites-moi, nous sommes à combien de personnes, là? Nama sebe djuna, nyingena vidéo goutre. Vamusko, salut. Solokone, salut. On a combien de personnes là? Eh, tiens, ne tourne-moi du loin à Ketani. On veut faire quand même un bouya à Ngala. Moro ou moro. Yétant à la canne à Pagi. Bloqué. Ngala, bah, y'a bébé rétré bloqué. Y'a Coco Kala, Coco. Koko mengu ya kegu, même pour faire pipi là, akana zika soumake, ya djoufra. Naka djale, nyambo te kafri ala djou batina bolo. Merci beaucoup, la légende. Vous voyez, moi, un grand amiral blené. Mabé. On te se kafri frani. Oka djoukou malé. Tony Sissé, merci beaucoup. Koulibaly, Jo, merci. Dendan, merci. Béranger, Kona. Je sais pas, mais quand je vois le nom Kona comme ça, ça me fait plaisir, quoi. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on n'est pas, lui, il y a lui, les bables, moi, c'est quoi. Sam, comment tu vas? Bill, salut. What, salut. Donc, on va aller écouter ça, là. Après, j'ai coupé vidéo, là. L'affaire militaire, après cette cérémonie d'allégeance, le président de la République a échangé avec les chefs des opérations sur Camarade Moussa Lermoko. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, président de la République, a reçu... Et c'est monsieur là-même, il travaille encore. Lui qui a dit monsieur Alassane Dramane Ouattara, lui, c'est pas quoi. Il ne veut pas dire Alassane Ado Ouattara. Pourquoi vous parlez Alassane Dramane Ouattara? Tamara Grisia, comment tu vas? On est ensemble, tiens. C'est ça, Ivoirien, non? Mais nous, on va vous faire après au match ensemble. C'est ça, les vrais Ivoiriens. Personnellement, j'aime ton sens de l'humour. Ah, d'accord. Donc, mais il est bloqué. Mais encore, comme après, bref, fois, il est là, mais des fois, mais il est là, il est là, ni cap de bébé, ni me bloquer, gré à bon. Il faut dire encore qu'au sens du monde. On t'a dit que moi, je suis à Gala, la Wal qui est vilain comme ça, il y a son cul coincé qui est débile. Quand tu donnes quelque part, Dieu me donne. Mon ami, je suis content parce que mon ventre, ça va maintenant. Tiens, attends, que quand on va aller, quand on va aller, mon ami, eh, dans mon dos. Eh bien, non, il y a des gens qui sont fâchés parce que moi, j'ai dit, je m'aime. Oh, Bangaï, toi, tu ne veux pas t'aimer comme moi? Hein? Ah, c'est la lionne qui veut que tu aimes ma vidéo, quoi. Kenyan bloqué, là. Pourquoi, mon, gars. Elle dit, je suis là quand les gens, ils attendent que je montre vidéo là, mais ils sont en train de faire malin. Ah, t'es dans, ça est sur YouTube. Allez-y, ça est sur YouTube. Nimi diminama ya fatigima. Il faut être content. Quand je déconne là, toi, tu dois dire non, il les indice. Nimi diminama ya fatigima. Ah oui. Moi, je joue pas à ça, hein. Quand on était petit là, quand on voulait jurer, souvent on disait, si t'es laissé Coco accompagnement de Bodouma, moi j'aimais tellement ça. Je comprends pourquoi il y a Coco maintenant. Coco, c'est moi qui ai provoqué. Alors, c'est pas dit. Plusieurs officiers des FRC, les Forces républicaines de Côte d'Ivoire. Il s'agit surtout des commandants de groupements tactiques et de certains corps des ex-FDS. C'est M. Soro Guillaume, Premier ministre et ministre de la Défense, qui s'est d'abord adressé au chef de l'État en soutien le cadre de la cérémonie. Quand vous regardez le président Soro même là, il était jeune, hein? On dirait, costume qu'il a porté là, on dirait c'est Boado. Bon, lui aussi, à l'époque, il était SNUFO. Donc, on dirait, ça dit tellement, Ado. Ça dit, il peut...
Alassane. Kaye nana Alassane vrai Ike. Bah, Alassane qui est là, c'est pas le vrai. Ato que nous on a connu la mythe me wurela Alassane Dramane Ouattara là. Aye nanaï. Alassane bien bien mené. Shinto qu'il y a beau le mené. Wallahi, ne ka Alassane Milo Oteni. Ah, merci beaucoup. Solo Kone, depuis Kani, on est ensemble. Sibiri, Zungrana. Ah, ça, c'est un nom de. Bon, Sibiri, toi, mais quand tu vas draguer Gola, est-ce que t'as le courage même de te dire, moi, je m'appelle Sibiri, Zungrana. Il veut dire que vous vous souvenez, hein? Qui est Zungrana là, Ligela Mounela? Ou bien tu peux, moi, je peux t'aider. Moi, là, je suis fort dans le nom. Ton nom, Sibiri, là, tu mets Simpson. Il n'y a pas de Simpson, hein. Simpson, non américain. Et puis tu mets Zungrana. Ah non, c'est pour Tandjaye. Razam. Ah tu vois. Moi, je ne sais pas. Moi-même, je suis comme ça. Koulibaly Basliman, comment tu vas? Alors, on va écouter le président Soro. Certains corps des ex-FDS. C'est M. Soro Guillaume, Premier ministre et ministre de la Défense, qui s'est d'abord adressé au... M. Soro Guillaume, Premier ministre, ministre de la Défense. Baba Ouattara, salut. Allô? Oui? D'accord, Dieu merci. Ni baka na ni na fanya. Et quand on dit bien, je suis en train de travailler, ok? Non, il y a un qui travaille là, il est en direct. Mais t'as vu, non. Allez, à tout à l'heure. Il y a qui du gueule de. Allô? Ah, t'es. Un démoussé le bel est sorti. Il faut. Les filles là, ni démoussé qu'à faut quoi, puis pour qu'à taille là. Il y a un bandé. Sinon, ni bana, ou bien à qu'on l'a là, il va tuer avec ta, mais il va faire n'y a quoi, il y a un taille là. Faut pas, il va faire bisous, rien! Elle n'a dit papa n'aime pas ça. Alors. Chef de l'État, en soutien le cadre de la cérémonie. Face au massacre. Voilà. Dans l'ouest du pays. Mm-hmm. Et surtout à Abidjan, où les femmes n'étaient plus épargnées par les escadrons de la mort, les mercenaires libériens et autres miliciens. Face aussi aux inquiétudes des populations. Ouais, Blaise, comment tu vas? Il est devenu urgent pour vous. Voilà. De mettre de l'ordre. Écoutez, il était devenu urgent pour vous. Alassane Ouattara, il est assis là. Voilà. Il était devenu urgent pour vous. Écoutez bien. Eh, no ka tu longolong, pas quoi qu'à faire. Si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ah, mec. Si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Allons. Face aussi aux inquiétudes des populations, il était devenu urgent pour vous de mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que vous m'avez demandé. Voilà, vous m'avez demandé de monter une opération militaire. Une opération militaire qui viendrait libérer Abidjan. Voilà, qui viendrait libérer Abidjan. Il parle de Ouattara. Ouattara, il est assis en face, hein. C'est ainsi que vous m'avez demandé de monter un groupe de militaires pour venir libérer Abidjan. Hey, Louis. Ni mi changer en mignon, au nom de Dieu, ni ni toi ni ne cadre ni bon ni qui toi gré bon n'en toi yon. Il donne le ouya de volant n'y en est. Fouillez changer les. Fouillez changer les. C'est tout ce que je te demande. Fouillez changer. Ni changer là, ça y a rien. Sinon, nous là, il y a un monté est devenu zo, mais pour la ni non, les ça. Donc, ça veut dire que c'est même pas dû pour moi-même. Ici là, nous on n'est pas pressé. À Ben Groubé, à Goville, la fois passée, là, ils ont fait braquage avec Kalash. Il est ma femme, il y en a un co, notre indice de sécurité, là, que c'est pareil que, de New York, et puis, à Kana Brana, du coup, nous, ma Brana, ma. Attendez, vidéo rêvée, après ça, là, on va écouter ça. Il avait 15 ans. Alors, il était. Parce que j'aime trop ce roux, quoi. Quand il reste. Les femmes n'étaient plus épargnées par les escadrons de la mort, les mercenaires libériens et autres miliciens.
Face aussi aux inquiétudes des populations, il était devenu urgent pour vous de mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que vous m'avez demandé, de monter une opération militaire qui viendrait libérer Abidjan. D'autant plus que bien des gens vous avaient suggéré de demander la force de l'ECOMOG pour venir mettre de l'ordre. Vous avez décidé, Monsieur le Président, de faire confiance d'abord et avant tout à votre propre armée. Ok. C'est-à-dire, il y a des pays, il y a des présidents qui avaient proposé l'ECOMOG pour venir. C'est-à-dire qu'ils avaient demandé à Alassane Ouattara, on va envoyer l'ECOMOG pour venir enlever Gbagbo. Guillaume Sorokoko, Iko, quand tu préfères travailler avec tes propres militaires, Alassane, il était au bas. Moratola le lourd bamrolula. Pas ni le bolay lourd na bamrosila. On a vaché lui aussi. Il avait trop exagéré lui aussi. Il avait. Ne te fais qu'au les mains. Y'a d'abla. Tom est guéri. Il est ni sur lequel il est. Il te sait qu'à me même ni. Il te sait qu'à fois il est calé quoi. Et l'homme puissant. Il est ma foi que Gbagbo va tomber comme fruit pourria. Bon, sur le flénier. Fruit le bas, mais il te sait qu'à bé. Il te sait qu'à la bé. Y'a la bé n'yadjoma. Non, la vérité est nous. Non, la vérité est non. Il y a eu bien un jour. Alors, mais il doit faire un loca. Il dit quoi? L'amiral Blené. Amiral, il faut bien écouter la partie, s'il te plaît. Mais c'est ce que j'ai fait là. C'est ce que je suis en train de faire là. J'écoute et puis. C'est ce que je suis en train de faire là, alors. On va reprendre la page. Il est urgent pour vous de mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que vous m'avez demandé de monter une opération militaire qui viendrait libérer Abidjan. D'autant plus que bien des gens vous avaient suggéré de demander la force de l'ECOMOG pour venir mettre de l'ordre. Vous avez décidé, Monsieur le Président, de faire confiance d'abord et avant tout à votre propre armée. Monsieur le Président, pour mériter cette confiance que vous avez placée en vos militaires, je me suis rapproché de l'état-major, donc des forces armées, des forces nouvelles, avant que vous preniez l'ordonnance pour créer les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ok. Mais je voudrais signaler, Monsieur le Président, que les anciennes forces de défense et de sécurité, certains de ces officiers avaient donc rallié nos camps et ont travaillé avec nous. Okay. Au nom des officiers qui ont opéré sur le terrain, c'est le général Gueux Michel, coordinateur de toutes ces opérations, qui a pris la parole. Après 4 mois de crise, et malgré votre patience, et bien que vous ayez voulu utiliser la force légitime, vous avez attendu. Peut-être National a fait le tour de la Côte d'Ivoire à plusieurs reprises. Et je pense que la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est l'attaque de l'opposition. D'accord. Début mars, par les mercenaires, les miliciens de M. Gbagbo Laurent, précisément à Gounta, dans la région de Danané. Et vous avez donc autorisé vos forces à répliquer et à repousser l'ennemi. Alors, ce qui a été fait, et à travers M. la Défense, vous avez fait l'honneur de nous désigner comme... À travers le ministre de la Défense, vous nous avez fait l'honneur de... Vous nous avez désigné à monter l'opération militaire pour venir libérer Abidjan. Vous pensez que nous, on est cons? Ah, quand on travaille, il sait que vous avez eu peur ici. Les habitudes ont duré 8 minutes. Hein. Alors, maintenant, tout est en main. À répliquer et à repousser l'ennemi. MC, salut. Ce qui a été fait. Voilà. Et à travers M. la Défense, vous avez fait l'honneur de nous désigner comme responsables donc, des forces. Lui, les rebelles. Devant poursuivre
ces mercenaires, devant neutraliser ces mercenaires, ces miliciens pour Baboum. Ainsi, le Premier ministre a créé deux fuseaux, un fuseau est, commandé par le colonel Karim Ouattara, et un fuseau ouest, commandé par ma modeste personne. Voilà. Le président. Devant lui-même, lui, monsieur Alassane. Voilà, Akouroflani, c'est Alassane Kera. Les officiers, pour leur excellent travail, a dit qu'il veut une année républicaine qui protège la population. Et, écoutez, il va les féliciter. Compte tenu de la détérioration de la situation, avec les tueries, les massacres, nous avons décidé, avec le Premier ministre, ministre de la Défense, que... Soro a dit que vous m'avez demandé. Lui vient dire, nous avons décidé. Ah, lui, le président, bon, c'est un bon français, il a dit, nous avons décidé. Mais Soro n'est pas dedans. Ceux qui pensent qu'il parle de Soro, là, nous avons décidé. Quand Soro parlait devant lui, là, Soro a dit, tu m'as demandé. Lui dit, ouais, on a décidé. Quel décidé, ça? Les tueries, les massacres, nous avons décidé avec le Premier ministre, ministre de la Défense, que le problème était ivoirien et qu'il nous appartenait, nous, Ivoiriens, de le régler. D'accord. Et c'est ainsi que nous avons créé par ordonnance, j'ai donné ordre. Le 17 mars, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et vous avez tout de suite manifesté votre adhésion à cette décision. Et quelques semaines après, sur nos instructions, vous avez répondu aux agressions, surtout dans l'Ouest. Voilà. Et par la suite... Sur notre instruction, vous avez répondu à l'Ouest. Le ouais là, c'est que c'est lui. Il dit, il n'a beaucoup de bébés. Ah, mais il a beaucoup de bébés qui ont 4 ans. Il y a un autre de qui ont doué. Ah, pipi, azoro, pipi, azoro. Il y a un autre de qui ont doué. Il y a un autre de qui ont doué. Moi, je vois, je parle de mes vidéos. Mais je suis tellement habitué à faire les bêtises dans la vidéo. Mais c'est dosé. Là, c'est le vidéo qui est là. Donc, je vois un imbécile là, quoi, le slamé. Lui, il est fort d'attaque, il attaque les femmes là seulement. Et puis, donc, je vois, il pense qu'il est joli, hein. C'est-à-dire, je comprends pas. Un vieux comme ça, c'est le plus vieux. Il est le plus âgé parmi tous les vidéomans là. Nakunya Djouli, Ali Chire. Abdallah Meshisa, il allait payer Péru Kodo Akuna, à Manya Akobako. Ta où est le tien, il est tiens pour ta nuit, ta. T'as des moches comme ça, là, t'as déjà payé péricano, tu. Il a pointé le lendemain, il a voulu pointer. Voilà, pour nous, là, c'est original. T'as faim? Ah, petit. Il est fin, dit. Tu es là, et petit, dit, tu as faim. Attends, attends, j'ai fini, s'il te plaît. Allons. Il devenait urgent de venir à Abidjan. Et de pacifier la situation à Abidjan. Évidemment, pour venir à Abidjan, il faut traverser le pays. Et c'est ce que vous avez fait, car toutes les régions de Côte d'Ivoire avaient besoin de paix et de sérénité pour les populations. Donc, je voudrais vous féliciter pour la manière dont vous avez mené cette mission. Félicitations. Elle a été rapide. Rapide. C'était une intervention éclair. Éclair. Bravo. L'ensemble du territoire national. À votre arrivée à Abidjan, le jeudi, nous avons pensé que Laurent Gbagbo et ceux qui le soutiennent auraient compris que les populations ivoiriennes avaient trop souffert et qu'il fallait nécessairement arrêter les combats ou ne pas faire de combat à Abidjan. Notre surprise a été grande avec le déchaînement des miliciens, des mercenaires. Bon, qui ont continué. Je suis fatigué, je dois aller au WC là. Donc on va écouter Alassane Ouattara ici et puis... Camara. Il avait dit 5 ans, non? Il s'en est dans 20e année maintenant. Let's go down.
down, down, down. Allez, elle dit, là, à ton âge, tu te comprends. Elle dit, imagine quoi, moi, tu avais 11 ans, 13 ans, là. Flocon déjà dans le quartier. Appelle Flocon 1, appelle Flocon 1, Flocon 2. Alors. Fabrice, Camara, Gina, Miezan, chers amis, oh, Bakarim. Vous n'êtes peut-être pas fils d'eux, mm-hmm. mais vous êtes les fils et les filles de notre chère Côte d'Ivoire. Mm, qui sont remplis en tout et c'est aujourd'hui. Pour vous que j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Mm? Parce que j'ai des solutions pour changer votre quotidien. Waouh! Au total, c'est 600 milliards de francs CFA. 600 milliards. Qui seront consacrés mm-hmm. à la jeunesse. Waouh! Chers amis jeunes, oui, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour changer la Côte d'Ivoire hein? en 5 ans. Je dis bien. En 5 ans. En 5 ans. Waouh. Vous pouvez me faire confiance. MC La Merveille. Ok, c'est bon, on devient. On t'a déjà écouté. Ça fait combien d'années maintenant que tu es au pouvoir? Même il y a des gens de 2002 jusqu'à aujourd'hui, et ils ont déjà enceinté au goût. Ils sont nés en 2010, et puis ils ont fait bébé. Mais ça n'a pas... Oui, c'est vrai. La Côte d'Ivoire a changé. C'est pas pour... Parce qu'avant, les gens, ils essayaient de faire coup d'État, mais on ne les mettait pas en prison. Maintenant, là, on dit qu'ils veulent faire coup d'État, mais ceux-là, on les prend, on les met en prison. Ceux qui ont fait coup d'état là, eux ils sont en liberté. Même quand ils sont convoqués même là, ceux qui vont les accompagner là, le coup d'état man même là, lui il rentre à la maison. Les Akoto Yao là, eux ils ont pris deux ans. comment mon nez. Levé. On est ensemble, tiens. On est ensemble, non, t'es mon gars. Hey, let's go. Go, amène à ce room. Abam l'année mouillé. Moi, je dis, ici, là, avocat ouvrait les bambourons, c'est-à-dire en fourreau. Avocat ouvrait les bères. Ici, là, non, il n'y a pas ça ici, hein. On te demande. Oui, non, monsieur, c'est pas moi. Bon, où sont les preuves? Tu peux nous prouver? Oui. Blené! La vidéo. Ouais, du coup, je dis, tiens présent sur eux. Ouais, Alan. Le juge va dire, Alan. Mais pourquoi tu, vous voyez bien notre. Quand on va envoyer une vidéo, deux, troisième, là, ils vont dire, allez-y. Non, allez-y. Ici, là, on n'est pas là pour s'amuser. Même Macron, parce que c'est sur lui où vous comptez. Non, Macron ne peut pas. Parce que la justice française, là, n'est pas aux ordres de Macron. Macron, il est à la drogue, il est à la drogue dans ma tête. Il y a les valises pour pas, là. Ils ont saoulé Macron, je vois, Macron, l'homme là, il est alcoolique. Au cas Zamba, les dames. Vous connaissez Zamba? Droit dans le relat, Zayoko Zamba. Au cas, j'ai un Zamba, les gars. Il n'y a pas de gagner le bazar de l'aide. Soula, là. Président Zayoko. Bon, tiens, nous, c'est que là. Allez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, hein. Tout a été propre, hein. Vous avez vu la vidéo. Il y en a encore. Il y a des milliers de vidéos. C'est-à-dire, n'importe quelle accusation là, nous on est prêts, en pays. Ça c'est le langage des grands-pères, ça. Nous on est là. En détail, Roshi. On est au Koui. Attendez, je vais mettre on est au Koui là. Pour finir la vidéo là. Parce que. Attends, est-ce que c'est au Koui ou au Koui? Ah, et moi, on est au cou, voilà. Aniwana, Anizamis, Abrey. Lui, là aussi, là, lui, il parlait de réconciliation. Aujourd'hui, là, lui, il est rentré, il est RHDP. Mon vieux va parler, là. Lui aussi, là, il disait, non, on n'a qu'à parler de paix, mais André, ils ont ouvert bouche les pieds, ils ont mis pied dedans.
faut parler encore, il ne peut plus parler. Quand il veut parler, Ouattara, il a mis goudron. Ouattara, il y a la sécurité. Militaire qui devient vidéoman. Tiens, le goudron, man, abtabraké, bende. Bon, allez. Moi, quand je dis quelque chose là, je le fais aller au revoir. Il dit, il est coupé, puis il est coupé.